Emma, reste derrière. C'est bon, ça va aller. On dirait que il n'est pas infecté. Il a un magnétophone. On pourrait peut-être l'écouter, non? Et si c'était un piège? Joseph? Jour 6. Cela fait 6 jours que j'ai déserté ma patrouille. Ils ne m'ont toujours pas retrouvé. Si quelqu'un écoute ceci, c'est que je suis sans doute mort, ou presque. Je tiens à vous révéler ce que je sais à propos de cette fin du monde. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a rien de naturel. Tout ceci a été déclenché par l'homme. Les infectés, les morts, ce n'est qu'un prétexte. Une sorte de masque posé sur ce qui se passe réellement. Ce projet, l'évolution de ce projet a mal tourné. Ça ne devait pas se passer comme ça. Ça ne devait pas se passer comme ça. Les infectés sont là pour réduire en cendres le reste de ce que nous sommes. Cette infection provient du ciel. Ils arrivent! Je ne peux pas vous en dire plus. Fuyez! Fuyez pour vous! Désolée maman, c'était pas de ta faute ce qui s'est passé à la maison, je suis vraiment désolée. Rassure-toi, c'est pas grave. C'est pas grave, ça va aller. Je sais, j'aimais ta sœur autant que toi. Non, 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 Sam, Sam, tue-moi. C'est fini, mec. Libère-moi. Je suis désolé. Et il faut enterrer Samuel. Je m'en occupe. Je viens avec toi.
Maman, je... Maman? Hé, hey, maman, j'ai à manger! C'était plus Nathalie. Nathalie a été infectée. J'ai compris ça hier avec le cadavre qu'on a découvert. Ce gars-là est mort parce qu'il s'est fait mordre par une de ces saloperies. Et il s'est transformé, comme Nathalie. Ce virus ou je ne sais quoi se transmet aussi de cette manière. C'est impossible. Pourtant si, c'est possible. Infecté, ça vira à ça? À tous nous massacrer? Pourquoi? Je sais pas pourquoi. Mais tout ce que je sais, c'est qu'on peut pas rester ici. On enterre Nathalie à côté de Samuel. Et on s'en va. Allez, viens, t'as pas besoin de voir ça. Viens, on met les yeux. Tout le monde est prêt. On peut partir. On n'y arrivera jamais. Anna, Paul, Benjamin, Samuel, Nathalie, mon père. Même quand on est tous ensemble, on n'arrive même pas à se protéger. On a vécu des moments difficiles, mais il faut qu'on l'accepte. Crois-moi, c'est mieux comme ça. Sans doute. On pourrait peut-être faire une pause, non? Ça fait plusieurs heures qu'on marche. Joseph! Ok. Installez-vous ici. Moi, je vais inspecter les lieux.
Venez avec moi. J'ai trouvé quelque chose. C'est quoi cet endroit? On dirait un vieux fort. Un vieux fort en parfait état. Le virus n'est peut-être pas parvenu jusqu'ici. Allons voir à l'intérieur. Faites gaffe. Reste bien derrière moi, Emma. Enfin, je suis content de vous voir. Hugo, regarde. Hugo, relève-toi. On va trouver de quoi nous aider ici. Non, Lisa. Il n'y a rien ici. Viens, assieds-toi. Je dois te parler. Ce que je vais te dire n'est pas facile. Mais tu dois l'accepter. Tu dois me promettre de faire ce que je vais te dire. C'est compris ? Je suis mourant. J'ai plus la force. Je souffre de plus en plus. On va y arriver, je te... Lisa, arrête ! Je vais mourir. J'en peux plus. Je suis à bout. Je peux pas continuer. Mais toi, tu peux. Écoute, quand j'étais à l'armée, j'ai rencontré un scientifique du nom Stéphane. Il vit près de la forêt, dans un fort, à quelques kilomètres. Tu veux pas te louper, c'est immense. Non, mais comment il va me reconnaître?
C'est trop loin. Si je me fais attaquer... T'inquiète pas. T'inquiète pas. Tu vas y arriver. J'ai confiance. Tu sais... Plus je te vois et plus je trouve que tu ressembles à papa. T'es débrouillarde. Courageuse. Tout comme lui. Je sais que tu peux y arriver. Mec, j'en ai rien à foutre, tu sois en train de crever. Limite, ça m'arrange. Ça sera plus simple pour te piquer des trucs. Un canif? T'es sérieux, mec? Ah bah, respecte-toi un petit peu. Ça, c'est plus rapide et plus efficace. Putain, tu me fais pitié. T'inquiète, là, ça va pas être long. Qui êtes-vous? Je suis quelqu'un qui vous suit depuis plusieurs jours. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous savez des choses sur le programme Chemtrails. Vous êtes parti sur le projet? En partie, oui. Mes amis sont morts à cause de cette merde! Dis-moi tout ce qui se passe! J'hésiterai pas à t'exposer la gueule! Dis-moi tout ce que tu sais, connard! D'accord, d'accord. Je vais tout vous dire, je vais tout vous dire. Je m'appelle Stéphane et je suis chirurgien en cardiologie. Cet endroit, c'est le fort d'Hauteville. Il servait pour des expériences, pour le programme. J'ai été engagé il y a plusieurs mois pour faire des expérimentations sur des humains. Mais il s'est avéré que par la suite, on m'a forcé à faire les choses autrement. C'est-à-dire? Suivez-moi. Juste avant de vous montrer ça, si je vous ai suivi pendant tout ce temps, comme je le disais, c'est parce que vous savez déjà beaucoup de choses sur tout ce qui se passe. Je considère donc que vous êtes important dans ce monde. Vous pouvez m'aider à changer les choses, j'en suis certain. Si j'ai fait tout ça, c'était pour une bonne raison. Bonjour, je suis le docteur Christopher Martinez. Voici la vidéo numéro 13 du programme d'expérimentation. Je vous présente le sujet numéro 1. L'individu ici présent est dans un coma artificiel, mais devrait se réveiller dans quelques minutes. Le patient est atteint de... Bonjour. Vidéo numéro 27 du programme d'expérimentation. L'individu ne réagit pas normalement aux tests effectués. Je commence à avoir des doutes sur la confection de... Ceci est censé aider les gens, mais là, c'est... Vidéo numéro 42. L'individu est décédé à 8h58. Je me pose beaucoup de questions sur la nature du projet et sur mes supérieurs. Tout ceci ne se passe pas comme prévu. Nous avions pour mission de trouver quelque chose pour améliorer... de l'humanité. Je crois plutôt que nous avons créé... une contagion... une infection. J'ai réussi à trouver des dossiers secrets sur le projet. Il s'avère que je suis tombé de haut. Mes supérieurs veulent, par le ciel, les chemtrails. Ils arrivent. Si vous voyez ceci, dites-vous bien que ce n'est pas le fruit du hasard. Nous sommes face à...
Le magnétophone et la vidéo expliquent que cette infection peut venir du ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le but premier n'était pas de faire de ces personnes des monstres. C'était quoi? Au début, on devait faire des tests sur des sujets normaux, pour les aider, pour les soigner. C'est ce qu'on m'a prétexté quand on m'a engagé. Mais les formules qu'on nous donnait n'étaient pas viables pour ce projet. En plus, on avait la stricte obligation d'obéir aux ordres. On ne pouvait donc rien dire. Et ces ordres, ils venaient de qui? Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Menteur! Qui a ordonné tout ça? Papa! Papa! Il y a des monstres partout! Allez, on y va! Vidéo numéro 58. Les infectés propagent la mort partout. Je ne sais toujours pas pourquoi ça s'est passé comme ça. Après les tests effectués sur la mort du sujet numéro 2, je me suis aperçu que les gènes humains avaient muté. Je pense que nous sommes allés beaucoup trop loin dans le projet. Sujet numéro 2. La contamination est à son apogée. Cependant, les résultats sont allés beaucoup plus loin qu'on ne le pensait. Les gènes du sujet originel se sont développés de manière considérable. Ils ont muté. Nous n'avons aucune solution pour arrêter ce que nous avons commencé. Je n'aurais jamais dû accepter ce projet. Nous avons créé des surhommes dotés d'une sensibilité extraordinaire. Ils courent plus vite
ont un odorat incroyable. Mais tout ceci n'était pas prévu. Nous ne sommes plus maîtres de la situation actuellement. Je n'aurais jamais dû accepter ce projet. Je regrette. Ceci est la fin de l'humanité.